Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Man Eater et je viens de rencontrer un bateau de chasseurs. J'ai l'impression qu'il y a aussi des gros trucs dans l'eau. Wouah! C'est ça mon esquive maintenant! Trop stylé! Et je devais suivre un point pour affronter une cible. Et donc si ça se trouve, j'ai esquivé la cible que je devais. Ah, vaisseau mère. Non, c'est pas un hasard s'il y a des chasseurs qui m'attaquent ici. America's largest shark finning enterprise, Mama Maybelle Bryant has collected quite a fleet of recreational boats. Her fail sons, Randall and Tyson, can often be spotted piloting them around Sapphire Bay. Alors, je vais croquer des tortues pour pouvoir s'améliorer. Alors, marin d'eau douce, c'est ma quête suivante et elle est même à proximité. Très bien. Allons-y. Marlin chassé. Ah, c'est pas marin d'eau douce, c'est marlin d'eau douce. C'était beaucoup trop facile, mais bon. C'est que je dois être fort. Alors, poisson perroquet. Première fois que je dois en chasser ça. The profusion of parrotfish here have kept Sapphire Bay's local hammerhead healthy and strange-looking. Alors, en général, les requins marteaux ne sont pas comestibles, sauf si vous êtes un requin, auquel cas tout est comestible. Je vois. Ocean predators most often select and strike a single prey at a time. Un marteau un peu costaud sûrement du coup. 18 potentiellement, oui. Il met des coups de queue un peu vénères. Essentiellement des coups de queue d'ailleurs. J'ai l'impression que j'ai fait des dégâts en l'esquivant. Voyons si j'arrive à reproduire. Ouais, exactement. Je fais 40 en tournant comme ça. Il m'a mis pas mal de dégâts quand même. C'est bon. Alors, on va choper le coffre, peut-être dans le coin. Il
faut aussi que je fasse 50% de la zone. Je peux pas juste. Shark's propensity to clear the ocean of its assorted detritus is one of their most valuable functions. Long a haven for small government ideologues, Port Clovis prides itself in its lax amusement park safety standards. Alors, 1, 2, 3, 4, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur le chemin? Cette grille que je pourrais tenter. Oh, je one-shot les grilles maintenant. Comment j'accède au coffre? Ici. Anyone who has delved into the stomach contents of a shark is acutely aware that they'll eat just about anything. Des humains. J'ai envie de m'entraîner avec un marlin aussi. Un peu dur à attraper. Ils vont plus vite que moi. Heureusement il fait pas, sinon il pourrait faire longtemps. Je pense que si j'arrive à le croquer après ce sera fini. Exactement. Alors bonjour messieurs, dames. Pas de sexisme. On mange tout le monde. Season ends, hunters return to their normal routine of bouncing checks at river slopes. Lacking natural intestinal support out of water, the shark's internal organs struggle to function. He used to take Kyle to the carnival when he wasn't nothing but an itty-bitty boy. The fact that he was afraid of that ferris wheel should have told me he wasn't never gonna be no shark. Ils font pas mal de dégâts, les cocos. Je crois que j'ai fait tomber un chasseur. Esquivé, je l'ai pas croqué. On va au point suivant en vrai. Où est-ce que je m'attarde avec eux? Allez, au point suivant. Si je nage assez bas, on devrait être tranquille. Mais je vais avoir des tortues quand même. La vengeance est un plat qui se déguste à la plage. Ils ont de l'imagination. Une glace ou un humain? Moi je suis plutôt pour les humains en ce moment. Humans' attention spans are short. They've already forgotten about the shark and her many crimes, so thus ends the bounty. Alors qu'objectivement, je vais recommencer d'ici un instant. C'est là que je dois les manger? Ah, maison de Big Mama, je suis pas sur le bon. C'est pas grave, on mange tout. With their bitter feuds and quasi-legal get-rich-quick schemes set aside for now, the shark hunters get to work. Dans la maison de Big Mama. Ah, ils sont de l'autre côté là-bas. Ok.
kind of things about Mama Maybell, but she always give me a fair price on fins. Ils m'ont retrouvé, on va dire que c'est pas un souci. C'est manger des humains par là. What? Il est pas du tout correctement placé mon point là. On va en suivre un autre. On va voir si c'est mieux. The hunt ends, but this is a mere pause in the eternal struggle between man and nature. Parce que l'homme ne fait pas partie de la nature. Il y a des phoques partout. Et pas mal de tortues également. Alors, j'ai foncé comme si on pouvait y aller tout droit, mais je vais devoir faire un détour. Ne plus courir aussi vite qu'avant. On a qu'une impression. Some sharks are scavengers, indiscriminately consuming anything that's vaguely edible. On va choper les points de repère sur le chemin. Oh, un triangle Illuminati. Like most American cities, the founders of Port Clovis were Freemasons. And probably Illuminati, who congregated in secret UFO bases to perform Luciferian blood rituals. Le seul truc dont on était sûr, c'est qu'ils étaient francs-maçons. Enfin, on n'est pas sûr, hein, ils racontent des trucs parfois avec le narrateur. Alors là, c'est facile, tout le monde est dans l'eau. On va attraper ceux qui sont le plus susceptibles de sortir de l'eau. Another shark. Ah, si t'as réussi à m'esquiver, toi? Et voilà. Alors, j'ai des chasseurs qui veulent s'en prendre à moi, c'est ça? À la fois, j'ai un peu du mal à suivre et ils font quand même beaucoup de dégâts. Alors, l'ami du pêcheur, allons le voir. La tortue, je peux la voir? Yep.
It seems Port Clovis has forgotten all about its rogue shark, for now. Non, il me demande pas d'attaquer le bateau là. Bringing a shark cage to the beach may not be cool, but it can be a guarantor of safety. Oh. Ah là, il y a un mur invisible, d'accord. C'est un bateau. Que pas si solide. Hunters hold a deep hatred of wildlife in their hearts. None more so than the shark hunter. Les animaux qui me s'en prennent à moi. Tellement profond qu'on est déjà passé en recherche. Bon, ils sont pas très durs à semer, les humains. Ah, c'est un autre bateau. Alors je vais peut-être attendre la fin de la recherche. Comme ça je serai bien. Ah mince. Ah non, c'est bon. C'est le bateau qui m'a repéré et pas les chasseurs. Ouais, je pourrais sûrement rester sous le bateau. Ah, sauf si il lâche des grenades. Là, c'est un peu plus compliqué. C'est ce qu'ils font. Ils vont finir par péter leur bateau, à mon avis, mais. C'est très facile d'avoir le bateau. Hunters waste little time hitting the water when a shark becomes a threat to human life. J'en ai attrapé un. On n'en parle plus. Tellement de dégâts au bateau que je vois pas trop l'intérêt de attraper les bonhommes. On va dire que ça fait gagner du temps peut-être. Mais je pourrais aussi couler tous les bateaux et après ramasser les à terre. Si ça me permet de régénérer, ça c'est important. Il y a un orc qui me fait plus peur que les humains. C'est pas mal ça. En théorie c'est une esquive, mais en pratique ça m'est bien utile. Mince, il y a un orc qui s'est engouffré dans le combat. Arrive, ok, on s'en va.
Avec l'orque en plus, ça devient compliqué. Où est-ce qu'on ira ensuite? Ici. Bon, ça commence à être un peu répétitif quand même. Je me dis qu'il y aura peut-être des combats plus intéressants dans la suite de l'aventure. Alors, moi, c'est manger des poissons. La hunt est over. Et il y aura un inévitable rush sur Dollar Drafts à Flamingo Jones. C'est tellement incliné que j'ai cru que c'était une grille plutôt qu'un coffre. No one can tell what may be found in a shark's stomach. It's truly the ocean's garbage. Alors, pourquoi est-ce que j'ai un point qui est très très loin? De la prochaine quête. La prochaine quête est juste là. Visiblement, il y a des soucis avec les points. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Pas grave, je le mets à côté. Ah. S'il y a bien 50 mètres. Allez, dans l'eau. Ah si, il faut que je reprenne mon souffle. Like many animals, sharks need to breathe to live. Many a child has run away to the sea with a head full of romantic notions of dynamiting sharks for a living. Alors, mes amis les chasseurs. Un de moins. Ce qui m'intéresse, c'est quand même surtout eux. Habitat of the speckled seaside sparrow, but you know they went extinct in 2007. L'avantage de manger les chasseurs au fur et à mesure, c'est que ça me fait regagner ma vie, parce que j'en perds quand même pas mal. Heureusement, je suis très costaud.
l'air de trop m'en vouloir pour l'instant. Le bateau est vide maintenant. Valser les humains. Ah, ce qui fait que je les mange pas, mais bon. Not a shark's favorite foodstuff, but they will eat it whenever it's deemed necessary. The Hoosier Hotshot, Ensign Tyler Dixon. Un humain pour gagner un peu de vie. Ça ne rapporte pas beaucoup. Ah, on a un plongeur chasseur. Reckless behavior only further incenses Port Clovis's citizens. Je pourrais en tuer pendant un moment des humains tant que je régénère assez. Ah, sauf que maintenant j'ai des bateaux niveau 30. Longevity depends on her nimbleness. Ça, je suis d'accord. Si j'étais pas en mouvement constant, en esquive et en rapplongeur chasseur. Ah, on approche, on s'en va. Though our bull shark is unaware, the noose around its neck tightens, thanks to a crack team of shark hunters. Alors, quelle est ma prochaine mission? 50%, tuer le prédateur, contrôle de la population. Je crois qu'on va faire contrôle de la population, les autres... Ah si. Ah non, donc on va commencer par dévorer des humains. C'est partie des trucs que je dois faire? J'ai pas l'impression. Donc on va plutôt se focus sur le poisson. Le mouvement d'esquive vers l'eau, il a aussi de l'effet.
It's another unsuccessful shark hunt for the people of Port Clovis. Alors... Oh là là, j'avais oublié. Il met les points n'importe où. Et que la quête est là-bas, et en fait, rien du tout. Les poissons qui sont pas très très malins quand même. Ils m'attaquent. Alors qu'ils sont tout petits. Bon, on verra la suite dans le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu.